Yeah. On a reçu aujourd'hui une belle boîte de mauvais loups. Coucou! Faria, tu viens? Ouais. Ton premier vélo. Est-ce que tu es bien contente d'avoir ça? Oui. Moi, j'ai jamais eu de vélo. Hein? Ça, je peux te garantir que c'est le plus beau cadeau du monde. Une petite fille. On va l'ouvrir. Alors, je n'ai jamais assemblé un vélo. On va voir comment le faire. Oui. Maman, après, tu peux te laver les mains parce que c'est le vélo qui m'a salé les mains. Ah ouais? C'est pas propre? Après, on va le nettoyer le vélo. Hein? Ah oui, hein? Oui, parce qu'il va salir. Si, là-bas. Oui. Regarde. Donc, on va ouvrir la boîte. Ouh là là là. Super collé. Ils ont vraiment bien. Faut faire attention par exemple. Comment? Pas si évident. Hein? On va s'amuser. T'es content? Ouais. On a gagné. Waouh! On a plein de chance, dis donc. Si vous êtes intéressé à acheter un vélo pour petite fille, regardez ce que ça peut apporter à l'intérieur. Énormément de petits morceaux. Voilà le siège. On a le siège ici. Même on a l'outil qui est collé. Florian, tu veux bien sortir d'autres morceaux? Il faudra enlever le couteau, hein. Oui, hein. C'est important, c'est ça. On va enlever les deux petits roues. Là, c'est comme ça. En fait, un petit vélo, le premier vélo pour enfant, il ne faut pas trop mettre d'argent là-dessus parce qu'au fond, on s'est dit ça ne va pas durer très longtemps. Et puis, l'été ici au Canada, ce n'est pas toujours aussi. Et on a reçu ça. C'est pas l'été d'Afrique. On a reçu ça sortir. Alors, nous, on a choisi un petit vélo à 64 dollars. On l'a acheté à Walmart. Donc, on s'est dit... 68. 68, ouais, c'est vrai. 68 dollars. Regardez. Vélo 14 pouces. Un vélo de 14 pouces. Avec une petite étoile. En fait, ça dit ici, il faut apprendre à monter à bicyclette tout en s'amusant, ce qui est le but. Cadre en acier solide avec roues stabilisatrices. Les freins à rétro-pédalage à commande au pied pour faciliter l'arrêt. Bon, ben, on va te dire que la garantie est limitée à vie pour le cadre et la fourche. De toute façon, hein, elle va juste utiliser ça pour une saison ou deux. Et puis bon, voilà, on va passer à autre chose. Alors, nous, on a opté pour une couleur bleue et vert lime. Parce qu'on s'est rendu compte que maintenant, toutes les petites filles, elles veulent tout en rose. Et compte tenu du fait que Florian a déjà quasiment tout en rose, alors on a décidé de prendre cette fois-ci quelque chose de tout à fait différent. Waouh, regardez-moi ça. Ah ben si je comprends, bien, c'est déjà fait, c'est juste seulement mettre... Et ben là, ça nous facilite les choses. Voyez-vous, les roues, elles viennent comme ça. Donc, on a une roue. La deuxième, elle est déjà placée. Regardez, c'est quoi ça? Ça, c'est pour pédaler. Ce sont des... Non, on appelle ça même en français aujourd'hui. Des pédales. Des pédales. Et puis... Attends, ça, c'est comme le petit design qu'on va mettre juste en avant. Pour. Est-ce que tu veux bien me donner ceci? Oula! Ça, c'est chouette. Hein? Bien. On a un dernier petit morceau. Les petits tutus. Les tutus. Comme ça. Les petits
Bon, ben, donc, on est l'eau et il a sorti tout. Mais il faut faire très attention parce qu'il s'est mis l'eau. Ils ont mis de l'huile de... pour que les freins ne bloquent pas. Alors, on va faire le montage sur... Attendez, on va faire ça. Je n'ai jamais. Ouf! Je n'ai jamais. Rien, t'as-tu vu la notice? Oh, ben, on va lire la notice, hein. C'est la première des choses qu'il faut faire. On va mettre le premier morceau. Ça, c'est le plus gros morceau. Charles, est-ce que tu peux filmer le premier morceau? Le deuxième. Voilà, c'est facile. Ça, c'est vraiment... ouais, trop bien. Après, tu vas mettre ça au recyclage. Ça, c'est le... Les dents et tout le reste. Bon, ben, ça, c'est vraiment le plus important pour nous. C'était le choix qu'on a fait. Compte tenu du fait que Floriane, c'est son premier vélo, il fallait absolument qu'elle puisse avoir des petits roues qui vont plutôt l'aider à apprendre à garder. Oups, attention, ça c'est vraiment... moi, je ne veux pas que tu t'amuses avec ça parce que ça peut casser la table. Bon, ben, ça c'est le siège. Ici, on va aller chercher la notice. Bien évidemment, elle est bien... Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible de notre petit vélo. Voyez-vous, Floriane a vraiment hâte de pouvoir faire son vélo. Elle n'ose même plus se contenir. Ok. Manuel du propriétaire. Vous en avez à l'intérieur en français. Vous avez également en anglais. Tu vois le manuel. So. Donc, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le manuel? Bicyclette à frein avec propédale et pédalage. Encore une fois, j'ai vraiment la misère à prononcer ce mot. Mais bon, ça va y arriver. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment assembler. J'avoue qu'il y a énormément de choses à lire en même temps. Hein. Ça, c'est pas vraiment le plus important. Bien. Dans la notice, on vous présente les différents morceaux que vous recevez. Regarde, tu fais attention, s'il te plaît. Ici, vous avez le premier, c'est le câble. Le deuxième, c'est la fourche, le guidon. En fait, on vous donne toute la liste des pièces de montage qui sont sur le vélo. Pour ce vélo-là. La description, etc. Ensuite, on vous dit qu'est-ce que vous devez utiliser comme matériel. Les outils nécessaires pour pouvoir finaliser le vélo. Donc, vous avez besoin d'une petite clé à molette. Là, il va falloir que Charles me mette là-dessus. Je ne suis pas très doux. Ensuite, vous avez besoin d'une clé ouverte, d'un tournevis à lame plate, d'un tournevis siforme, une pince motrice, ainsi qu'une clé hexagonale métrique. Et puis une clé dynamo. Ah bah, j'avoue que ça fait beaucoup de tralala. Bon, ben, je crois que Charles, j'aurais besoin de ton aide. Parce que moi, je suis pas très douée manuellement. Ok, on fait une petite pause. Je vais aller chercher les outils et on poursuit par la suite. Parfait. Et oui, nous revoilà après une heure de bataille pour pouvoir assembler ce vélo. Oui. Je vous dirais qu'au fond, c'est vraiment quelque chose de commercial pour dire aux gens que c'est facile à assembler. On a regardé sur YouTube, sur Walmart. Si vous voulez vraiment savoir, c'est même pas la peine de faire une vidéo sur comment assembler ce vélo-là. Ça n'a pas d'allure. Mon Dieu, moi je pensais que quelque part ça allait être très simple. Il est beau. Il est tout beau quand même, hein? Mais le siège pour le fixer, je vous dirais que c'est pas vraiment pour les enfants. C'est très difficile, vraiment.
Hey, Floriane. Si vous voulez savoir comment assembler vraiment ce vélo, il faudrait que vous vous rendiez plutôt dans le site internet de Walmart. Et puis, vous allez avoir exactement quoi faire. Ça, vous sauriez exactement quoi faire. Mais ce n'est pas du tout le même modèle et ce n'est pas du tout évident. Si bien que Floriane était complètement désespérée. Floriane, est-ce que tu aimes ton vélo? Est-ce que tu aimes ton vélo? Il est tout beau, hein? Alors, on va aller cette fois-ci. On va l'essayer. Troisième manche, l'essayer au petit parc pour voir si mademoiselle est capable de faire elle-même son vélo tout seul. Oui, mais on va Et bonne chance à vous, ceux qui sont intéressés à acheter mon vélo. Maman peut changer de milieu, regardez. Oh, il manque ça. Il veut mettre celui-là aussi? Oui. Yay! T'es maman? Ah non, moi je suis plus du tout en accord avec ça. Regarde, il faut encore qu'on dévise. Il y a trop de choses à faire. Florian, je commence à Non, papa va le faire, Florian. Allez. Donc, on dit bye-bye. On dit au revoir, les amis.